Voici l'un des systèmes livrables pour votre véhicule. Il se peut que les options de menu diffèrent légèrement de celles des menus affichés. Avec Android Auto, vous pouvez accéder à certaines des fonctions de votre appareil Android par l'intermédiaire de votre véhicule. Rendez-vous sur le site www.android.com/auto pour obtenir une liste des fonctions disponibles et des appareils compatibles. Si l'application Android Auto n'est pas déjà installée sur votre appareil, vous devrez la télécharger sur votre appareil mobile Android pour utiliser cette fonction sur votre véhicule. Tout d'abord, ouvrez Google Play Store sur votre téléphone pour télécharger l'application Android Auto sur votre appareil. Puis, lancez l'application sur votre téléphone Android et suivez les instructions pour la configurer. Ensuite, branchez votre appareil Android à ce port USB. Une fois votre téléphone connecté, l'écran d'information de démarrage peut s'afficher à l'écran. Touchez « Oui » pour utiliser Android Auto. Touchez les icônes au bas de l'écran d'affichage pour accéder aux fonctions de l'application, notamment Google Maps pour obtenir des instructions vocales. Le numéroteur pour composer un numéro manuellement ou depuis votre répertoire téléphonique main libre. L'accueil pour accéder à une liste des actions récentes. Ou les médias pour connaître les médias et les applications multimédia et de musique compatibles. Appuyez sur cette touche pour quitter Android Auto et consulter les autres écrans. Vous pouvez modifier les réglages de sorte qu'Android Auto ne se connecte pas automatiquement chaque fois que votre téléphone est branché sur votre véhicule. Pour ajuster ces réglages, appuyez sur le bouton « Menu ». Touchez « Réglages »,« Connexion »,« Appareil », cette icône d'information, « Mise en miroir du téléphone intelligent », puis « Options de démarrage » pour régler la fonction à « Automatique »,« Demander chaque fois » ou « Ne jamais démarrer ». À partir de ce menu, vous pouvez également appuyer sur la touche « Aide du véhicule » pour Android Auto pour afficher des conseils utiles sur l'utilisation de l'application. Pour activer Android Auto lorsque vos réglages ne sont pas configurés pour se connecter automatiquement, branchez votre appareil au port USB. Appuyez sur le bouton « Menu », touchez « Info », « Applications », puis « Android Auto ». Pour une utilisation main libre, vous pouvez appuyer sur ce bouton du volant et le maintenir enfoncé ou toucher cette icône sur l'écran. Énoncez une commande vocale à Google, par exemple, jouez une musique de Google Play Music. Envoyez un message texte en précisant le nom d'une entrée du répertoire téléphonique ou obtenir un itinéraire pour rejoindre une station-service. Vous ne pourrez pas utiliser le téléphone tant qu'Android Auto est en cours de fonctionnement. Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'utilisation d'Android Auto, exprimez-vous clairement et limitez le bruit de fond en fermant les vitres et le toit ouvrant, le cas échéant. Dirigez également les bouches de ventilation de sorte qu'elles ne soient pas orientées vers le microphone du véhicule. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infiniti pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.